Bonjour, je suis Tevlo Colmes, agent du FBI au service de Sa Majesté. Une fois encore, on a fait appel à mes talents pour résoudre un mystère bien mystérieux. Et ce mystère, je vous le donne en mille. Cette année encore, nous allons participer à l'aventure Tokyo Metro The Underground Mysteries. C'est un jeu de type résolution d'énigmes qui est organisé chaque année par le métro de Tokyo et qui nous emmène aux quatre coins de la ville à la découverte des secrets du métro ou de beautés insoupçonnées de Tokyo, d'endroits qu'on ne découvrirait pas autrement. Mais avant toute chose, c'est donc un jeu de réflexion. Pour mener à bien notre quête, nous avons un petit livret accompagné de divers éléments dont on doit se servir. Et tout de suite, on va chercher quel est le point de départ de la journée. Alors, premier puzzle. Si Guy Tfukmukmukmuk donne Hello, qu'est-ce que donne Zbuzbuzu Zbuzrtuzbuzuzbu? Et qu'est-ce que donne Mpusu Tful Zbuzbuzgiju? Ok Watson, j'ai déjà trouvé la réponse. A K entre Z. A K Akasaka, on imagine. Allez, c'est parti. Première station, ça va être Akasaka. Ceci est un pass de métro qui me permet de voyager gratuitement dans tout le métro de Tokyo pendant 24 heures. Notre enquête va durer beaucoup moins que ça, bien évidemment, car je suis un génie. Est-ce que tu savais, Watson, qu'une girafe pouvait vivre sans eau plus longtemps qu'un chameau ? On vient d'arriver à la station, il faut qu'on aille apparemment sur la plateforme numéro 2, sortie 4, au niveau de la rue, après on tourne à gauche, on doit faire... Bon, sortie 4. Bon, pour l'instant, on nous a dit d'aller tout droit, tourner à gauche, tout droit à gauche. Et la prochaine route sur notre gauche, il faut qu'on y aille. Et il y a des drapeaux et c'est ça qu'on cherche. Petit détail intéressant qu'on ne vous a pas dit, on a choisi le jour le plus froid de l'année. Et en fait, c'est même le jour le plus froid du Japon depuis 48 ans pour sortir jouer à ce jeu. Regardez-moi ces drapeaux. On a juste à suivre l'ordre des couleurs. Bleu, rouge, jaune. Bleu, rouge, jaune, bleu. Et les trois lettres qui nous restent. Je le dis pas fort, c'était T.O. en anglais. Parce qu'il y a des autres personnes qui sont en train de chercher à côté. Ok, il y a un parc sur la droite ici. Et il faut regarder le toboggan. Il y a un toboggan, slide en anglais. Le toboggan est composé de couleurs. Ici on a des couleurs, j'imagine que tout est en relation. This is strange. Yeah. J'ai rien compris. J'ai rien compris, mais d'après les jeunes filles qui sont derrière moi qui ont la même version du jeu en japonais, on a suivi les règles en fait en japonais qui sont plus claires. Là franchement en anglais on comprend rien. Prochaine station qui est Otemachi. Ok. J'ai froid, mais on a trouvé. Watson, est-ce que tu savais que les crocodiles ne pouvaient pas tirer la langue? C'est physiquement impossible. Sortie B1. Là-bas, peut-être.
go to the left and go straight while looking to your right. Il faut qu'on aille par là en regardant à droite. Des travaux. On devrait voir des statues dans la rue. This one? That's a statue. Ah, yeah, right. This statue, yeah. Ah, c'est bien que j'ai réussi à voir la statue tout de suite. Oh, regarde, après t'as la chouette. Donc on a d'abord vu ça. Après. Ah, il faut qu'on sorte par là. This is not good. Maison Kaiser, c'est vraiment pas bon, je la pense. Bonjour, le poisson c'est sec. We had to find this. This one will be easy. So it's gonna be P. E. It's gonna be pen en français. And N, pen. It's too easy. Too easy. Too easy. Kodakwen? Kodakwen. On faut la... Hop, par là-bas. Dis-moi Watson, est-ce que tu savais qu'en sortant d'une grotte, les chauves-souris tournaient toujours à gauche? Non. Walk towards the swing on the left, over there. Aha, I know. I know it. Look at the sign there on the left. There are X's and no X's. Oh wow, Sebastian. Yeah. Nice. Yep. Finally I solved something. This is not good. Obviously this is not good. Yes. Well, this was difficult. No. Yeah. Echo, c'est vraiment vraiment facile, vraiment trop facile, on se fait limite chier tellement il n'y a pas de réflexion. Peut-être, comme disait Sébastien, on en parlait, c'était peut-être trop difficile l'année dernière, ils ont fait un truc plus simple. En tout cas, là, jusqu'à maintenant, on va à l'intérieur pour réfléchir. Open the heart. Open the heart. Ah. Yep. Question. Match the book to the sun, the skull. To the notebook. Yeah, well. Wow. Yeah. Bon, changement de plan. C'est très sympa ce jeu, mais au final, on se fait chier. On l'a déjà fait l'année dernière, c'est trop similaire, il n'y a pas assez de challenge. Je vous propose de faire quelque chose de beaucoup mieux. Est-ce que vous saviez qu'au Japon, il y a un village dans la montagne qui est quasiment abandonné? Et une des personnes est revenue dans ce village et a transformé tous les habitants qui étaient partis en poupées. Elle a fait des poupées à la place des habitants. C'est un endroit qui a l'air fascinant. Alors on va aller voir ça plutôt que de rester là à se balader de métro en métro. C'est pas intéressant pour nous, c'est pas intéressant pour vous. Faisons quelque chose de plus intéressant pour tout le monde. On doit mettre les chaînes. J'adore ça.
no idea what I'm doing. How does it look? C'est le pire truc de merde que j'ai eu à faire depuis des années quoi. On en a mis une. Je sens plus mes doigts. Ok. Looks good. Here, looks good. Ok, try, let's see. Ok, ok. What was it? Oh, oh, oh. Ah, it is. Okay. Wow, it was a ski station here? Really? Why? Why here? Uh-huh. Okay. It become an X site. What do we have here? C'est incroyable parce qu'on fait peut-être là 20-30 km de route de montagne et même si on n'est pas arrivé au village auquel on voulait aller, tous les villages, tous les endroits dans lesquels on passe, il y a des maisons abandonnées. La moitié, les trois quarts, des fois une ou deux, mais il y a des maisons abandonnées partout et enfin, c'est incroyable. Il y a plein de gens qui vivaient dans cette montagne, c'est vraiment reclus quoi, c'est difficile d'accès. Regardez, même les voitures qui restent partout. This house is falling. It's falling. Ravine. Yeah. La maison elle est en train de basculer dans le ravin celle-là. Let's go to this one over there. En tout cas c'est des endroits. J'ai froid putain. C'est des endroits super reposants. Il y a la rivière qui passe. On est en plein milieu de la nature, à part le chant des oiseaux. Et là ils sont en train de faire des travaux, les bulldozers, mais sinon il y a. Il n'y a rien quoi, on est au milieu de nulle part, c'est incroyable de vivre ici quoi. Mmh. Ouais, let's go. Okay. Il nous reste encore 17 km à faire pour atteindre le village, l'endroit où on veut aller. On est sur une route que personne n'a emprunté de la journée, il n'y a pas une trace de voiture. Et je patine à mort, là on roule à 2 km/h et j'arrive pas à accélérer. Wow, fuck, I cannot You go. Cannot go. No way. Look at this. It's ice. This is, look at this. It's crazy. This is all ice. There is no snow. This is frozen. It's like we're driving on a lake or something. What? On devait aller dans un village quasiment abandonné dans la montagne. Maintenant, on sait pourquoi il est quasiment abandonné. Ça serait trop difficile d'aller là-bas, même si on y arrive. On a un avion à prendre dans 5 heures et ça nous prendrait déjà plusieurs heures pour monter. Fuck. Fuck, we came here for nothing.
Yeah. Let's fly the drone. Yeah, let's fly the drone. We are here. Let's park the car in the middle of the road. Yeah, just leave it here. On a testé le drone dans le vent, dans la pluie. Maintenant, on va tester dans des températures négatives. Le pauvre, il envoie toutes les couleurs. You're taking a drone out for a walk. J'ai l'impression d'aller promener mon chien. Encore le résultat d'une vidéo extrêmement bien préparée. Et un fail comme d'habitude. On va maintenant redescendre cette putain de montagne. On a 30 km de montagne à faire. Et puis on repart à Tokyo malheureusement. De toute évidence, ça ne s'est pas passé exactement comme on l'avait prévu, mais on a un plan B pour finir cette vidéo comme il se doit. Ça se passe ici. Lanterne Burger, ça ferme à 3h. Il est 2h10, c'est parfait. Ça fait plusieurs mois qu'on veut le tester, j'ai envie de dire. Enfin, enfin quelque chose de bien dans cette vidéo. Enfin. Tu vois mon cher Watson, c'est dans ces moments-là que je me dis que la vie vaut la peine d'être vécue. Exactement. This looks good. It's oui. Really. Le steak, il est comme ça. Il y a de la crème fraîche dessus. Alors ça, c'est vraiment la crème fraîche. Yeah, very good. L'ingrédient qui fait toute la différence. Yeah. Un, deux, trois. Ok. Et encore une fois, c'est la conclusion d'une enquête rondement menée. Félicitations, cher Watson. Merci. Abonnez-vous. C'est pas dur, il faut juste appuyer sur le bouton.